Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme et aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle série en solo que je vais appeler à mon avis Jurassic Craft. Donc pourquoi? En fait c'est un mode que j'ai trouvé qui s'appelle Archaeology and Fossil. Donc c'est un mode qui permet d'ajouter des dinosaures dans le jeu. Donc là en fait je suis sur une sauvegarde que j'ai déjà essayé un petit peu le mode, j'ai joué un peu avec. Un peu pour vous montrer comment ça donne. Donc ça c'est les ptérodactyles. Je vais faire une... Voilà, je me suis déjà amusé à créer un peu tout ça. Donc il y a des dinosaures, en fait ça commence, il n'y a pas de dinosaures dans le monde, par contre on va se mettre en créatif pour pouvoir voler, ce sera plus facile. Donc c'est un mode de facile, enfin c'est un mode super complet mais facile à installer. Mais qui est assez, enfin pas dur à mettre en place, mais bon, faut avoir un petit peu d'heure de jeu. Donc ça c'est des stégosaures. Voilà. Je l'ai poussé dans le mur. Là vous pouvez entendre, chaque dinosaure a son cri bien spécifique. Donc là il y en a un plus petit, je sais pas ce qu'il fout, là il est coincé. Hein. Ensuite là en train de mourir. Ça je ne sais plus trop ce que c'est, enfin soit vous verrez pendant l'aventure. Ça a des triceratops. Et vous pouvez entendre que chaque dinosaure a son cri. Et il y a aussi des dinosaures qui vivent dans l'eau. Mais j'en avais un, mais je sais pas trop où il est. Il est pas ici. Non. Enfin, soit. Donc je faisais cette petite vidéo limite présentation assez rapide pour vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé, pour me dire tout simplement si ça vous, si, enfin si vous êtes content ou si vous avez d'autres choses à me proposer. Donc ce que je vais faire à mon avis pendant l'aventure, bah, c'est que je vais essayer de recréer un Jurassic Park. Donc un parc un peu comme ici, avec des dinosaures de tout type. Et comme ça je vous ferai découvrir le mode et je ferai ça en solo. À mon avis je peux jouer en peaceful, il me semble que ça dérange pas, peut-être en easy pour avoir quelques ressources en plus, mais j'ai encore 2-3 trucs à préparer, genre trouver une musique d'intro pas mal, un petit peu dans le thème de Jurassic Park ou encore autre chose. Enfin, là, je vais bosser encore un petit peu là-dessus et à mon avis, dès ce soir quand j'entrerai à l'internat, ce sera possible que je commence la saison. Donc, c'était Capitaine Flamme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Aimez ou commentez la vidéo, voire les deux si, enfin, si ça vous, si vous avez envie. Et je vous dis à très bientôt pour la suite et le début des épisodes de cette saison Jurassic Craft. Allez, salut à tous.